matin tout le monde! Bienvenue dans un autre vlog top de Calou. Ne jugez pas mes cheveux. Je viens de défaire ma toque, puis je m'en vais dans le bain. Et on dirait que je suis un enfant. Je sais qu'il y a des adultes qui prennent les bains, mais genre, de la façon que je l'ai dit, c'était comme ma fille. Je m'en vais dans la douche. J'ai un rendez-vous pour mes ongles à 11h45. Puis là, il est 10h. J'ai droppé Ruby à la garderie parce que je travaille cet après-midi. Fait que je vais prendre ma douche. Après ça, je vais aller à ma pédicure. Puis après ça, je vais aller travailler. Fait que j'ai détaché mes cheveux parce que là, il faut vraiment que je les lave. Puis je vais les brosser avant parce que là, clairement, ils sont mêlés. Mais bon, j'ai l'air d'avoir un petit tout sur la tête. Sinon, quoi de neuf? C'est sûr qu'on se parle à tous les jours. Fait qu'il y a un petit peu moins de trucs de neuf. Mais je suis en train de parler avec l'API qui est comme l'aide. En tout cas, aide à la réussite, là, c'est comme la personne qui t'aide sur ton parcours scolaire, si tu as des changements à faire, tu as des questions à faire comme ça. Fait que je suis en train d'y écrire parce que, dans le fond, j'ai réalisé que l'automne prochain, donc pas cet hiver, mais l'automne prochain, j'aurai stage 2 journées complètes plus 2 cours. Plus, il faudrait que j'aille à l'école 1-2 heures semaine pour rencontrer mon prof de stage, qui est comme 1 heure fixe dans la semaine. Fait que ça ferait que faudrait que j'aille à l'école, mettons, 4 à 5 jours. Mais 2 de ces journées-là seraient complètes. T'sais, en ce moment, je vais à l'école 3 jours, mais c'est des demi-journées. Fait que là, j'ai demandé s'il y avait un des 2 cours de la session d'automne 2025 qui n'avait pas de préalable, prérequis, puis je pouvais le faire cette session-ci. Pour comme m'allégir, parce qu'on s'entend qu'un stage 2 jours complet, c'est quand même beaucoup de job en plus des études et tout, là, puis on a des projets à faire là-dessus. Fait qu'elle m'a dit que oui, il y en avait un que je pouvais faire, soit le lundi après-midi ou le vendredi matin. C'est mes 2 jours de congé. Fait qu'il faut que j'y pense, mais j'y ai parlé parce que le cours que j'ai le mardi s'offre aussi le lundi matin. La seule affaire, c'est que je sais pas s'il reste de la place. Fait que là, j'ai écrit, j'ai demandé... Est-ce que ça serait possible de changer mon cours du mardi au lundi matin pour que lundi, j'ai une journée complète d'école, mardi congé, mercredi, jeudi, demi-journée, vendredi congé. Fait que je vais voir ce qu'elle va me dire. Si elle me dit oui à ça, je pense que je vais faire le switch. Oui, j'aime ça avoir les lundis off parce que, tu sais, les lundis, c'est le fun de faire un peu un reset de ta semaine. Puis la fin de semaine sur deux que je travaille, je finis comme à 9h45 le soir. Puis les lundis matin, j'aime ça être ici parce que Étienne, tu sais, il a dormi ici la nuit d'avant, fait qu'il est comme, il dort pas toute la journée ce jour-là, fait qu'on est tout ensemble et tout. Mais je pense que pour le bien-être de ma session automne 2025, ça serait une bonne idée de prendre le cours cette session-ci. Fait qu'on va voir ce que ça donne, ce qu'elle va me dire pour le cours de relations d'aide. Je prendrai ma décision par la suite. Mais avoir 4 cours cette session-ci, je me sentirais quand même bien considérant le nombre d'heures que je travaille présentement, ça se fait quand même bien. Puis, même si, mettons, j'aurais 4 jours d'école, mon cours du lundi, c'était 3h l'après-midi. Fait que je serais même pas obligée de, comme, envoyer Ruby à la garderie. Je pourrais juste la laisser ici avec Étienne. Fait que ça ferait quand même 3 jours à la garderie. Fait que on va voir ce qu'il va se dire. J'attends de voir aussi mon ami parce que dans le fond, en ce moment, tu sais, c'est sûr que j'ai plein d'amis là, dans la technique, mais mes amis vraiment proches, j'en ai 3 qu'on se tient ensemble. Puis là, dans le cours que je pourrais rajouter, il y en a 2 dans le cours du vendredi. Puis avant, dans le cours du lundi, il n'y en a pas. Mon autre ami qui fait le parcours 4 ans comme moi, j'ai demandé, veux-tu le faire toi aussi? On pourrait les deux le faire le lundi. Ça serait pas comme un deal breaker, mettons. T'sais, je le prendrais sûrement pareil, même si j'ai pas comme mes collègues de travail. Mais parce qu'on s'entend que dans la vie, tu vas pas toujours travailler avec tes amis. Des fois, tu travailles du monde que tu connais pas et tout. Puis les autres, j'y connais quand même. T'sais, c'est quand même un cours de 2e année. Mais c'est sûr que ce serait le fun d'avoir comme mes coéquipières que je suis habituée pour faire mes projets avec, mettons, dans mon cours. Fait que on attend de confirmer le tout. Mais là, je vais rentrer, je vais prendre ma douche. On va aller faire ma pédicure après. J'aime vraiment mon vernis, by the way, là, que je vous avais dit. C'est du gel de construction qu'on appelle avec du shellac par-dessus. Mes ongles sont épais. Là, c'est sûr qu'ils sont courts, mais c'est parce que moi, j'ai les ongles super minces puis ils cassent tout le temps. Fait que si je faisais juste du shellac, genre ça usait mes ongles encore plus. Là, le shellac n'est pas sur mon ongle, il est sur le gel de construction. Puis le gel de construction, tu ne le changes pas à chaque fois, fait que ça magane moins tes ongles.
Fait que c'est ça. Fait qu'avec le temps, ils vont pousser, mais au moins là, pour le moment, j'aime la petite couleur. C'est pas trop flash, c'est pas trop foncé. Je trouve que ça fait bien pour comme fin d'été, automne. Fait que c'est ça. J'apprécie bien à date. Donc, je vais rentrer. Puis, je pense pas que je vais vous montrer mes orteils, là, parce qu'on s'entend que des pieds, c'est pas l'affaire préférée à tout le monde. Soit que le monde haït les pieds ou le monde, il y a comme un fétiche de pieds. On dirait qu'il y a comme pas d'entre-deux. Fait que je veux pas dégoûter le monde ou que le monde aime trop ça, mettons. Fait que je pense pas vous montrer mes orteils. Mais on se donne des nouvelles tantôt. Donc, mes cheveux sont mouillés. J'ai pris ma douche. Je suis en train de faire des muffins pour mes jeunes au centre jeunesse. Puis, je vais aller à mon rendez-vous donc bientôt. Mais c'est officiel. J'ai switché mon horaire. Donc, je travaille. Ben, j'ai deux cours le lundi. Un cours de 8 à 11. Puis, un de 3 à 6, je crois, avec mon amie, fait que je suis vraiment contente. Puis, si jamais je peux comme revenir à la maison pendant la pause de 4 heures au besoin. Le mardi, je vais avoir congé maintenant, fait que ça a comme changé ça. D'habitude, j'ai l'école le mardi, là, plus d'école le mardi, fait que j'ai pu faire le switch de mon cours. Puis, mercredi, jeudi, école, vendredi, congé. Fait que super contente, honnêtement, ça va m'alléger automne 2025, qui va être une année plus chargée avec mon stage et tout, fait que bien contente. Bon matin! Donc, premier jour d'école aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir mon ami Max. On s'est vu la semaine passée pour aller à un film. Fait que, on s'est vu quelques fois cet été, mais j'avais vraiment hâte de revenir à l'école. Je sais que ça peut être bizarre pour certaines personnes, mais genre, tu sais, c'est pas ma première fois que j'y vais. Là, j'y vais vraiment dans quelque chose que j'aime, quelque chose qui me passionne. Puis, je pense que j'ai la maturité aussi d'être comme à mes affaires. Tu sais, on s'entend que quand j'avais 17 ans, j'étais pas aussi à mes affaires, pas en tout, là, que ça. Il y en a qui sont super bons à 17 ans, mais moi, j'étais juste mentalement pas prête à ça. Là, oui. Fait que ce matin, j'ai un cours animation et outils cliniques. Fait que c'est un cours qui combine avec un cours d'observation. Puis c'est un cours quand même le fun. J'ai lu le plan de cours parce que on va animer et planifier des activités cliniques. Fait que pour faire, tu sais, comme un but spécifique avec des enfants de garderie. Qu'on va avoir une garderie pas loin de mon école, puis on va aller là-bas pour faire les activités. Fait que ça, c'est le cours. Puis dans le cours d'observation qui est la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, l'activité, mais genre je l'ai, je pense que c'est le mercredi, ouais, mercredi matin. Dans ce cours-là, on va aller observer l'autre groupe pendant qu'ils font leur activité. Puis comme je, l'autre fois, ben eux, ça, ils vont nous observer. Fait que c'est comme des cours intéressants. Puis c'est ça. Sinon, les autres cours, j'attends encore de voir les plans de cours, mais je suis contente d'avoir pris 4 cours, honnêtement. Ça va me faire une belle session. J'aime vraiment ça en plus, puis ça va m'allégir la tâche pour le futur, là, pour ma session d'automne. J'ai un projet qui pourrait être très excitant pour l'été prochain, dans le fond, fin côté travail. Je vais vous en parler dans un futur vlog, là, sinon celui-là va être un petit peu long et chargé. Mais, ouais, c'est ça. Fait que je voulais m'alléger ma session d'automne 2025, vu que je vais être en stage aussi. Donc, ouais, ça ressemble à ça. Fait qu'on va rentrer. Je vais aller au Costco sûrement tantôt avec mon ami Max. Elle a une pause, elle, de comme 1 heure, 2 heures, dépendamment à quelle heure qu'on finit notre cours demain du matin. Fait qu'on s'est dit qu'on irait au Costco ensemble. Je vais faire mon épicerie. Ben, pas mon épicerie, là, mais mon Costco du mois. Fait que je vais pouvoir vous montrer ça. Puis, en même temps, je vais vous donner du feedback sur mon cours. Mon outfit de day pour l'école. Mais j'ai fini déjà mon premier jour. Puis, je suis allée au Costco avec Max. Fait que je vais avoir un Costco à vous montrer. Puis en arrivant à la maison, je vais pouvoir parler un petit peu de mon premier cours, comment ça s'est passé et tout. Bon, fait que Costco est encore dans mon char. Je vais vous le montrer après que je ramasse Ruby. Elle fait dodo présentement, donc j'attends encore 1 heure. Mais j'ai une émission à regarder. J'ai 2 plans de cours à lire et tout. Fait que je prends ça relax. Ça me dérange pas. Ça servait à rien que je retourne chez nous pour revenir la chercher avec 1 heure. Là. Fait que j'attends. Mon cours de ce matin s'est bien passé. C'était vraiment comme basic, on n'a pas vraiment vu de matière, on a plus jasé ça serait quoi le cours. Puis le cours de ce matin que j'avais, c'était un cours de première année, parce que moi je le fais sur 4 ans le programme, fait que j'ai 2 cours cette session, c'est des cours de première année, puis 2 cours de deuxième année. Fait que il y avait beaucoup de comme... C'est quoi un plan de cours? La technique comme de l'explication de base que comme nous on n'a pas besoin nécessairement.
Mais j'ai vraiment hâte de commencer plus concrètement. Fait que c'est ça. Ça se passe bien. Fait que je vais faire mes petites affaires, puis je vous montre le Costco tantôt. Bon, c'est qui a cogné? Ok, c'est bon, mon chien jappe parce que Ruby a cogné les pieds. J'étais en train de défaire l'épicerie, genre le Costco, parce que je parlais avec mon mari, puis j'ai comme pas pensé de vous le montrer, mais j'ai encore tout ici. Fait que je vais pouvoir vous le montrer. Fait que ça m'a coûté 252. Mon budget de Costco, c'est 250. Mais là-dedans, j'ai 27$ de bouffe de chat qui compte pas dans ce budget-là. Fait que je suis under budget. J'ai même acheté un cadeau à mon mari que je vais vous montrer après. Là, il est dans l'entrée. Donc, du café, j'ai aucune idée si t'en avais besoin, babe, mais je me suis dit, il vaut mieux en avoir trop dépassé. Fait que, tu sais. Du coffee, c'est genre l'affaire qui vaut vraiment la peine comparé à l'épicerie. Fait que ça me tente pas de comme acheter à l'épicerie en backup pendant quelques semaines. J'ai un autre bleu, babe. Je sais pas. Je me frappe tout le temps. C'est ça, c'est pas quand j'ai. Non, c'est ici. C'est sur le top, je sais pas. En tout cas, un autre sujet pour un autre jour. Des sacs à petite poubelle. Dans le fond, on les utilise pour notre poubelle en dessous de notre lavabo. J'en avais quasiment plus. Honnêtement, ça nous dure genre 6 mois, 6 fois un an. Là. Fait que c'était 20$. J'ai racheté des pitas. J'aime ça faire ça, des sandwichs ou pitas. Ou sinon, je me fais comme, je le coupe en deux, je le fais toaster. Puis je mets mon beurre d'arachide, mes toasts dessus. C'est vraiment bon. Quand j'ai goûté quoi d'un petit peu plus croustillant. J'ai pris des œufs, il nous en restait comme pu. J'ai aussi pris une boîte de pâte, j'allais dire de pâte patrouille, de pâte d'ours. J'en avais pas de besoin tout de suite, mais il est en rabais à 9$ au lieu de 12. Donc quand même un rabais de 3$ et ça reste bon longtemps, donc pas perdu. Là, le deuxième pain, je l'ai sorti. Du pain grand-père que Ruby elle aime bien aussi. À l'avoine, je pense que c'est 8$ pour deux. J'ai aussi pris une caisse de Iogo fraises framboises. J'en ai mangé dans mon frigo, je vais mettre le reste en bas. Puis Ruby m'en demandait depuis un bout, mais il n'y avait pas de rabais. Là, il y avait comme un 2-3 piastres de rabais, c'était comme 10 piastres pour la caisse. Fait que j'ai pris ceux-là. D'habitude, je prends des yachts normales. Mais là, ce temps-ci, moi et mon mari, on prend les Oikos protéinés. Sinon, j'ai acheté les batteries triple A. J'avais vraiment besoin de double A, mais il n'y en avait plus. À part les, genre, non Kirkland, les vraies marques de batterie. Puis c'était comme 12 piastres de plus. J'ai dit, je suis pas capable de faire ça. Fait que je vais en commander au Walmart. Mais j'ai pris ceux-là. Ils étaient comme 14 piastres, je crois. Je suis aussi arrêtée au métro parce que je me suis pris un. Oh, je veux dire, je me suis pris un petit lunch pour aujourd'hui. Puis un truc de biscuit. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Tu vas aller aux toilettes? Ok. Bon, désolé, un urgence numéro 2 pour Madame Ruby. C'est la vie d'un enfant en culotte. Elle est propre maintenant à 100%. Donc, ça fait vraiment du bien, mais c'est plus de job. donc, j'étais aussi arrêtée, comme vous avez vu, au IGA. Fait que j'avais aussi repris des craquelins parce que notre chienne avait mangé la boîte au complet pendant qu'on était parti une fois. Puis, les enfants aiment bien ça. J'ai pris d'autres bananes parce que, dans le fond, je pense pas faire d'épicerie cette semaine. J'ai commandé des repas traiteurs pour m'aider la semaine prochaine. Donc, avec le Costco, puis ce qu'on a, on va être chill sur le reste. J'ai aussi un truc de fruits mélangés pour Chelsea. C'est ça, on en veut, bien sûr, peut l'en prendre, mais j'aime ça y prendre des petits trucs de même. Ça nous permet de goûter un peu de tout, parce qu'elle aime de tout, elle. J'ai pris un autre gros hummus, comme ça. J'ai pris un truc d'œuf complet, dans le fond, 30 œufs. Des batteries, comme je vous avais montré, je pense. Pita, je vous en avais parlé. Excuse-moi, je suis un peu sûre, je t'ai rendue. Des pains, première moisson, vraiment bon. On en a pris deux. Je crois que ça va aller au congélateur en attendant. Parce que ça pourrit plus vite vu qu'il n'y a pas de préservatif. J'ai pris un truc de même de sauce César. Mon ami Max qui est super bon. C'était 8$ pour le gros, fait que c'est moins cher que les René que je prends d'habitude. Fait qu'on va voir comment on aime ça. J'ai pris un truc de pesto aussi. L'autre fois, j'avais mangé un grilled cheese avec du pesto dedans. J'ai trouvé ça vraiment bon. Fait que je vais essayer de l'incorporer dans plus de recettes. Puis apparemment que le Costco Kirkland pesto, il est vraiment bon. J'ai pris d'autres confitures de bleu frit pour mon mari. J'ai pris des wraps comme ça que Chelsea, elle aimait bien manger en déjeunant. Elle aimait les prendre avec la banane et le beurre d'arachide. J'ai pris un gros cheddar. Et
Dans le fond, j'ai pris du beurre d'arachide et des sauces rosées. C'était 10 $. La dernière affaire qu'on a, ben, que j'ai acheté, c'est la nourriture pour chat. C'est la première fois que je le prends. Mais tu sais, comme à le magasin de chat, un sac comme ça ou un petit peu plus petit même, c'était 47 $. Puis là, j'ai 9,07 kg pour 26 $. Fait que je me suis dit, ça vaut la peine de l'essayer. C'est poulet et riz comme la bouffe qu'ils mangent en ce moment. Fait que je vais mélanger les deux tant qu'il y en a assez. Puis après ça, on va essayer de transitionner, voir. Vu qu'on a deux chats et tout, on va essayer de sauver où qu'on peut. Fait que ça ressemble à ça, le Costco. Désolée, c'est un petit peu chaotique dans la fin. C'était l'arrivée à la maison, donc c'est sûr que ça allait comme ça. Si vous avez des enfants, vous comprenez. Je vais vous laisser. Je vais partir un nouveau vlog demain. Demain, on se parlera de l'opportunité de travail que j'ai pour l'été prochaine. Et aussi, je vais vous montrer mon haul Blue Notes que j'ai commandé. Je vais pouvoir vous faire un try-on, vous le montrer. Donc, on se reparle. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous avez aimé. Et on se revoit demain. Bye!